Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Justine. Je te laisse te présenter. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Justine, j'ai 23 ans. Je suis en formation de naturopathie depuis le mois de janvier. Et en fait, l'année dernière, je me suis découverte une passion pour tout ce qui touchait à l'alimentation, la nutrition, l'aromathérapie et tous ces sujets qui englobent la naturopathie. C'est pour cela que Marie m'a contactée il n'y a pas longtemps pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Oui, parce qu'au quotidien, je vois toutes tes stories, tu fais régulièrement des jus et ça m'a juste donné trop envie. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé, je voulais découvrir tes recettes et vous les partager aussi. C'est avec grand plaisir. Donc justement, on a devant nous tout ce qu'il va nous falloir pour faire ces jus. Moi, j'ai un extracteur de jus qui est différent d'une centrifugeuse de par ses fonctionnalités. C'est-à-dire qu'un extracteur de jus permet d'enlever toutes les fibres, que ce soit d'un fruit ou d'un légume. Et en fait, c'est mieux. Pour les recettes de smoothie, ça va être mangue, banane et fraise. Et la deuxième recette, ce sera épinard, banane et ananas. Je mettrai toujours un petit peu de lait de coco avec. Ça rend le mélange un peu plus liquide. Et pour les recettes de jus, je laisse Marie... Du coup, ça sera carotte, betterave, orange, concombre, citron et avocat, kiwi. Et je tiens à dire que c'est Justine qui a préparé toutes les recettes, qui a eu toutes les idées et qui a l'initiative, qui a tout préparé dans cette vidéo. Voilà, et du coup, moi je tiens aussi à dire que je me suis inspirée quand même d'un livre qui s'intitule « Le grand livre de l'extracteur de jus ». Donc j'ai quand même tiré la plupart des recettes de ce livre. Pour les deux autres recettes que Marie n'a pas dites, ce sera pomme, kiwi, épinard et carotte, citron, gingembre. J'ai quand même montré tout le livre. Il est beau en plus. Non. Enfin, il est très bien fait. Vous avez en fait toutes les recettes de jus par saison. Donc pour le printemps, donc jus de printemps, vous avez tout un sommaire et en fait vous allez retrouver donc toutes les recettes au fur et à mesure. Il y a des illustrations, il y a les bienfaits aussi. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin, ils donnent des recettes à faire avec la pulpe qu'on va récupérer des jus. Ouais, c'est trop cool ça. Donc on va les préparer là, on va éplucher, couper. Tu veux le petit couteau ou le grand? Le petit... Ah non, mais n'importe. Je te mets égal. Juste attention, c'est super bien. Ok. Et du coup, c'est surtout par exemple des carottes, il faut éplucher. Ok. Après, couper, en fait, faut juste, tu vois, les carottes, tu coupes juste comme ça et encore en deux et c'est tout. Je vais nous aider. Je vous ai fait quoi? Ah, ça a l'air pas mal. Voilà, les fruits et les légumes sont prêts. Du coup, on a vraiment tout préparé, tout épluché. C'est vrai qu'à la base, dans un extracteur de jus, on n'a pas besoin d'en faire autant. Mais moi, j'aime bien savoir que je vais pas casser mon filtre, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a des risques. Par exemple, les citrons, s'ils sont bio, on n'aurait pas eu besoin de les éplucher. Les carottes, pareil. Et ça, moi, je savais pas. Enfin, je savais qu'on pouvait laisser la peau des carottes, mais du citron, pas du tout. À condition que ce soit bio, bien sûr, mais oui, on peut tout à fait laisser la peau. On est parti avec la première recette. On va donc faire la recette du nectar d'avocat et de kiwi. Pour ça, on a besoin d'un avocat, d'un kiwi et demi et de 10 centilitres de lait d'amande. J'ai jamais goûté. Hein. Même l'avocat dans un jus, je crois que j'ai jamais goûté. Alors, j'avoue que cette recette, je l'ai encore jamais testée. J'ai mis quelques recettes pour pigmenter cette vidéo et vous donner nos impressions. Mais ouais, j'ai jamais testé. J'ai des œufs, ok, mais ça donne. Et donc, on a en fait à l'extracteur de jus, que je vais mettre en route tout de suite, mais je vous parle d'abord, une sortie pour tout ce qui va être de la pulpe et de tous les restes en fait, et une sortie pour le jus. Sur l'extracteur de jus, on a une fonction reverse, donc pour mettre dans le sens inverse et bien être sûr que tout a été mélangé. Du coup, est-ce que nous on donne des notes? Ouais, on peut. Ouais. Ah, je trouve qu'on sent quand même le kiwi. Ouais, enfin, en fait, on sent direct que ça va être acidulé, ouais. Mais puis aussi le goût un peu amer.
de l'avocat qui pourtant n'est pas amer, donc je pense que c'est le lait d'amande qui peut faire ça. Ouais. franchement, dans le livre, il ne précise pas que c'est pas bon. C'est ça manque un peu de sucre. Ouais. Par contre, l'avocat était bon et le lait d'amande est sans sucre. Donc, non, mais franchement, ça va. Non, c'est bon. Mais la texture, elle est bonne. Au début, en fait, on sent beaucoup l'avocat. Et après, il y a le goût acidulé du citron, du kiwi. Ouais, c'est une bonne recette. Limite ouais. Frais aussi, ce serait meilleur peut-être. Mais en fait, c'est pas si mauvais que ça. On n'a pas l'habitude de l'avocat dans les jus. Ouais. Et, la première impression, je vais donner 2 sur 10. Ouais, j'avoue. Et franchement, c'est pas non plus le meilleur jus au nectar que j'ai déjà goûté. Mais je dirais 6,5. Ah, bah j'allais dire 6. Ok. Mais franchement, non, je pense que si je le refais une deuxième fois, enfin au fur et à mesure, c'est net va. Bon, en tout cas, cette première recette, super bonne découverte quand même. Oui. Donc on va juste en fait nettoyer entre temps l'extracteur de jus pour ne pas avoir le goût de l'ancien jus. Et on revient tout de suite pour vous présenter la recette, enfin le jus, qui sera pomme, kiwi et quinard. C'est parti pour la deuxième recette. Je vous montre. Chocolat, la pulpe de betterave. J'avais déjà fait la pulpe de courgette, ça marche super bien et tu sens pas du tout la courgette. J'ai trop envie de lâcher. Petite opération délicate. Ça va, tu t'en sors bien. Après, là, je le vois par rapport à l'épinard, il reste quelques petits morceaux, donc c'est quelque chose qu'on aurait pu repasser justement au tamis. On va pas forcément le faire, mais c'est vrai que quand on sent les petits morceaux dans la bouche, c'est pas forcément très agréable. Moi ça me dérange pas la pulpe. Mais ouais, mais voilà, après ça dépend des goûts. Comme ça, à l'odeur, je sens pas trop l'épinard, je sens essentiellement le kiwi. À l'odeur, j'aurais pu dire le kiwi. Et au goût, la pomme. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, on sent pas trop les morceaux, c'est plus l'impression. Oui, plus au visuel. A, ouais. C'est vrai. Et on sent pas trop les épinards au goût. Non, pas du tout. Il y avait à peu près 50 grammes d'épinards pour une pomme et un kiwi. Mais ouais, on sent pas du tout. Et pour le coup, celui-ci va être plus acide que le premier. Le premier était plus doux, plus d'amertume, c'est ça en fait. J'hésite en fait. J'ai envie de remettre 6. Parce que l'autre, j'aimais bien sa consistance et tout. Là, c'est un peu plus liquide, j'aime bien. Ouais. Allez, non, je vais mettre 7. Alors moi pareil, je vais mettre 7 parce que je sais qu'il y en a d'autres que je vais préférer et du coup je peux pas mettre 8 malgré le fait que franchement moi je trouve ça très bon. Bon jus, franchement pareil, que je peux refaire à la maison. Donc rebelote, on va nettoyer l'extracteur de jus et on revient. Donc pour cette troisième recette de jus, on va faire une recette avec des carottes, du citron, du gingembre. Ça va être épicé. Oui. Oh putain. Vu que l'extracteur de jus de Justine a décidé de faire des siennes. Du coup, bah, on a mis en petite pause là pendant 5 minutes et on va passer au jus avec le blender. Voilà, tout à fait. Du coup, ça va plutôt être des smoothies parce que le fait de le faire au blender, c'est un peu plus épais, un peu plus onctueux. Mais c'est aussi une façon de consommer des fruits et des légumes. On va peut-être commencer par mangue, banane et fraise et on fera la deuxième après. Je mets de la banane ? Ouais. Je mets genre à peu près une banane et demie. Ça ? Ouais, voilà. Mangue ? C'est très... ouais. Ouais. Allez, c'est la merde, je Elles sont belles. C'est vrai qu'elles sont bien rouges. T'as dit quoi ? Tu peux mettre à peu près 6. Tu peux en mettre 6, je dirais. 2, 4, 5. Après, elles sont grosses. Ouais, ouais. Soyons fous. Toi, je crois que tu mets de l'eau en général. Ouais. En soi, c'est vrai qu'on pourrait mettre de l'eau. Hein. C'est juste que j'ai l'habitude de faire ça. Et en fait, pour ce genre, on pourrait vraiment mettre de l'eau. Parce que autant avec l'épinard, le coco, la coco, ça donne un petit goût. En plus, mais là, honnêtement, pourquoi pas mettre de l'eau. Comme ça, je teste. C'est ça, là, ça va juste apporter en fait, que le jus va être plus liquide. Ça va pas apporter forcément de saveur en plus. Oui.
je l'ai fait justement dans ma prise. Ça fait bien si tu vas mettre de l'eau partout, mais sinon de toute façon tu vas la remplir. Il faudra dire le temps qu'on a mis. J'avoue que c'est l'organisation qui n'est pas bonne. Ça, c'est surtout l'extracteur du jus aussi. Là, je vais un petit peu rajouter. Et même que t'avais un petit bout de mangue dans tout. Ouais. En tout cas, elle est jolie la couleur. Ouais, un petit corail un peu. Souvent, il y avait, j'avoue, un fruit plus prononcé qu'on sentait le plus là. Là, pas du tout. Autant, on sentait pas trop la mangue. La banane, non, et encore, franchement, je trouve qu'il y a pas un... Il y a un bon équilibre. Ouais. Bonne texture. Non, franchement, après je connaissais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et celui-ci va être moins acide que les premiers. Un peu plus sucré, mais pas trop. Ouais. Franchement, parfait pour le réveil. C'est un smoothie que je pourrais boire le matin. Après, ça reste quand même très sucré, puisqu'on a mis que des fruits. Mais très bon. Moi, je mets la note de 9 sur 10. Ouais. Moi, je dirais 8. Allez, je monte crescendo. Ok. Mais ouais, j'aime bien. Et je pense, ouais, pareil que les autres, un peu plus frais. Mmh. Ça, son smoothie ou son jus au frigo peut être une solution de mettre des glaçons. Après, c'est vrai que le mieux quand on fait un jus, c'est de le consommer directement pour avoir tous les nutriments et les minéraux, quoi. Mais c'est ça, si aussi vous mettez des glaçons directement, ça va faire de la glace pilée. Un peu granuleuse, en fait, avec les glaçons, quoi, qui sont pas totalement mixés. J'ai pas de moustache. Non. Et moi, c'est plus de... Non. Je vais juste mettre ça à Alex. Ouais. Alex ? Oui. Viens. Voici me voilà. Tiens. Tu veux goûter ? Oui, bah, tu peux tout boire si tu veux. Ah, c'est peux, ton goûter. Oui. Non mais oh. Poussement. Une natte. C'est sucré, j'aime bien. Bon, déjà, il y a de la banane. Oui. Je pense qu'il y a de la carotte. Non. Même pas ? Non. Oh, c'est la couleur en fait. Bah, tu vois, comme ah, ça. C'est de la fraise alors. Oui. C'est la fraise qui fait des couleurs. Oui. Peut-être la betterave. Ah oui, vous avez mis de la betterave aussi. Enfin, il y a de la betterave. Non, je dis pas ton ami, mais je veux dire, il y en a. Il y a trois ingrédients. Ce qui est bien, ce qui n'est pas sur la table. De la mangue. De la mangue. Et tu notes combien, à combien sur 10 9 sur 10. Ok, on va mettre un droit. Tu as dit combien, toi, Marie 8. Ouais, alors, du coup, on va faire le deuxième smoothie qui est épinards, bananes et ananas. Avec un petit peu de lait de coco. Donc on va commencer par mettre les épinards. Je fais à l'œil, hein, mais après on va peut-être pas en faire de trop parce que c'est vrai que. Tu mets combien donc d'ananas ? Deux. Ah, c'est des blocs. Ah, entier ? Ouais, mais en un alors un bloc. Ouais. Alors par rapport aux quantités, ça c'est vraiment des soucis que je fais régulièrement et. Je fais à l'œil, je pourrais pas trop vous dire, mais ça vous allez voir, je pense que ça fait un grand verre ou alors deux petits verres pour les quantités qu'on va mettre. Et ensuite donc la banane. Lait de coco. Ouais, là c'est riz coco. Franchement c'est pas mon préféré, je sais pas, j'ai dû me tromper quand je l'avais acheté. D'habitude je prends juste coco en fait. Ah ouais. Mais on sent beaucoup plus. Ils ont tous plus ou moins la même texture au final. Pareil, on sent pas un truc en particulier. J'ai pas senti. Donc bah c'est celui où il y a le moins de saveur entre guillemets. Ouais. Mais moi j'aurais mis plus d'ananas. La banane en fait ça adoucit. Ouais. L'ananas ça donne un goût un peu plus prononcé. Et les épinards honnêtement c'est juste pour la couleur. Moi j'ai jamais senti les épinards quand. Quand je faisais de jus ou de smoothie. Donc ouais, après on sent pas forcément un goût en particulier quoi parmi les trois. Mais sinon c'est super bon quand même. Hein. C'est vrai que. Enfin c'est le smoothie que je préfère. Après, après j'avoue que là tout de suite c'est pas le meilleur que j'ai déjà pu faire. Et moi je vais dire 7. Mais en fait j'ai envie de remonter la note de l'avocat. Ah ouais. En fait. Ouais. Plus pour la texture ou le goût les deux et la découverte aussi en fait. Ouais. Vu que c'est vraiment un jus, une saveur que j'ai pas du tout retrouvé dans les jus que je faisais. Ouais. Hop.
C'est reparti avec l'extracteur de jus. Normalement, il va refonctionner. Ça fait 5 minutes qu'il s'est posé. Et là, on passe à la recette. C'est jus de carotte, citron et gingembre. Il nous faudra 6 carottes, un demi-citron et un petit morceau de gingembre. Et là, on sent le gingembre. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas? Il y a trop de pulpe. T'as goûté toi? Non, pas. Bah, tu vois, il y a trop de pulpe. Regarde, tu vas le voir là-dedans. Tu vois là? C'est acide. Ouais. Et toi, t'aimes ce qui est acide? Ouais. Moi, je trouve qu'on sent. Enfin, j'ai mis un peu trop de gingembre. Après, il y a le citron aussi qui donne cette acidité. Mais alors moi j'aime bien l'acidité mais à un certain degré. Bah je pense que oui, une ou deux carottes en plus ça aurait été pas trop. Je pense que là l'estomac il en prend un coup. Oui. Enfin faut pas en manger, enfin ouais. Faut pas en boire de tout. Après en soi le gingembre c'est pas mauvais hein. C'est plus le citron au coup qui va faire un mauvais effet. Et moi tu vois ça me dérange pas trop la pulpe au final hein. Je le bois. Ouais. Ah non, moi c'est un truc qui me dérange pas mal quand même. Alors j'aime bien. Comme dit, il y a peut-être un peu trop de gingembre. Après, j'ai l'habitude de manger, donc en soi, ça ne me dérange pas. En fait, j'ai mis deux branches comme ça, et en soi, c'est énorme. Et puis, ouais, quelqu'un qui n'en. Enfin, ce que tu disais, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en consommer, là, il va trouver ça beaucoup trop fort. Ouais. Après, moi, j'aime beaucoup. Je pense que j'hésite entre 7 et 8. Hein. Ouais, il y a un bon équilibre. Ouais, carrément, j'adore. Ouais. Franchement, pareil, ça le matin, ça réveille. Oui, et puis comme disait Marie avant, la carotte, c'est pas mal en ce moment pour les beaux jours qui arrivent, ça prépare votre peau. Dernier jus, jus de concombre et citron. J'oublie rien. Oui, non. Oui. Donc un concombre et un demi-citron. Je pense que ce jus-là, je vais bien aimer. Moi aussi. C'est pareil, un jus que j'ai jamais fait, mais qui est parfait parce que c'est un jus assez détoxifiant au final. D'ailleurs, dans le livre, ils le disent, voici une recette très désaltérante et excellente pour la ligne. Le concombre et le citron étant particulièrement peu caloriques. Dégustation. On sent beaucoup le concombre. Ouais. Pourtant, le citron, ça sent fort. Hein. Il se sent. C'est acide. Et pour le coup, on sent plus le citron au goût. Ah oui, clairement. Que le concombre. Le concombre vient un petit peu après, en fait. Mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est acide. Faut aimer les trucs acides, quoi. Trop acide pour moi, mais je mettrais peut-être un peu plus de concombre la prochaine fois, mais ça reste. Ouais. Après, bon, je vais préparer, c'est peut-être agressif en fait. Et là, je mettrai une note de 7. Moi, 6,5. En vrai, j'aime bien, mais c'est trop acide. Ouais, je pense qu'il faudrait le diluer avec un peu d'eau ou rajouter. Ouais. Donc voilà pour les recettes que Justine nous a fait découvrir aujourd'hui. J'ai adoré. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, si d'autres recettes vous intéressent. Là, j'ai regardé dans son livre, il y a des recettes au chou rouge, à la courgette. Enfin, je pense qu'il y a plein de recettes qu'on peut découvrir. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à tester que j'ai jamais fait et dont j'ai un peu une appréhension du goût. Donc pourquoi pas refaire une autre vidéo à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite, j'espère avec Justine, dans une prochaine vidéo. Bye bye, bye. Allez.